structuration des parties d'un questionnaire. Maintenant que l'on a créé l'accueil de notre questionnaire, on va essayer de structurer les grandes parties d'un questionnaire. Les parties doivent respecter un certain ordre qui est établi. On pose d'abord les questions de type comportemental, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous consommez. Puis ensuite, on va demander un peu plus d'implication aux répondants. On va poser des questions d'opinion, qu'est-ce qu'ils pensent. Et enfin, on va poser des questions plus liées à la motivation ou aux attentes. Qu'est-ce qu'ils aimeraient que l'on fasse? Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire? La dernière partie est une partie d'identité qui vont regrouper des questions d'ordre sociodémographique. C'est toujours à la fin qu'on pose ces questions. Quel est votre âge? Quel est votre sexe? Quelle est votre tranche de revenus? Quelle est votre CSP, votre catégorie socio-professionnelle, etc., etc., etc. Ces questions-là se posent toujours à la fin, sauf dans un cas particulier, lorsqu'il s'agit de questions filtres. Si vous avez besoin d'interroger 200 hommes et 200 femmes, on ne va pas poser cette question-là tout à la fin. En général, dans ce cas-là, dès le départ, on peut poser la question « Êtes-vous un homme ou êtes-vous une femme ?» Ce préambule étant fait, nous allons pouvoir maintenant essayer de voir dans notre exemple quelles sont les grandes parties sur la consommation de chocolat. Ce que j'aimerais donc faire, c'est rajouter un certain nombre de sections. Les sections, ça va être les parties. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là. En fait, ce bouton-là, vous voyez, c'est « Ajouter une section ». Ça va me permettre de rajouter une partie. Hop, là, je vais cliquer dessus et j'ai ajouté ma première section. Alors, je ne sais pas où je l'ai mise, par contre. Hop, je vais me mettre là, ajouter une section. Voilà, elle est là. Donc là, j'ai ma première rubrique avec la présentation. Puis, j'ai ma deuxième rubrique. J'ai laissé cette question-là, hein, on la virera après. Qui va me permettre de créer mes grandes parties. Donc, au niveau de mes sections, ma première partie, ça va être vos goûts. Ça va être vos goûts. Donc, je vais taper vos goûts. Je ne vais pas mettre de description. Je vais faire ensuite une deuxième partie. Que je vais appeler votre opinion. Puis je vais faire une troisième partie. Je clique encore sur ce bouton ajouter une section qui sera votre identité. Je vais en plus rajouter une petite description. Donc je vais me mettre en dessous. Là, je vais mettre pas d'inquiétude. Point d'exclamation. Nous ne demandons rien d'indiscret. Voilà. Ceci étant fait, je peux passer maintenant à la réflexion sur quelles questions je veux poser. Concernant votre identité, concernant votre opinion et concernant les goûts de la personne. On va ranger à l'intérieur les différentes questions.